Le prince Édouard, 58 ans, n'a quasiment aucune chance de devenir monarque un jour. Le troisième fils de la reine Élisabeth II d'Angleterre, 95 ans, est le 14e dans la lignée du trône. Le frère du prince Charles, 73 ans, est également le seul à ne pas porter le titre de duc. Le prince Charles porte le titre de duc d'Édimbourg depuis la mort de son père, le prince Philippe. Néanmoins, lorsque le prince de Galles deviendra roi, le prince Édouard pourrait hériter du titre de duc d'Édimbourg. Lors du mariage d'Édouard et Sophie, il a été annoncé qu'il succéderait un jour à son père en tant que duc d'Édimbourg, avec la bénédiction de feu le prince Philippe et de la reine, indique le Mirror. Mais le plus jeune enfant de la reine Élisabeth II d'Angleterre s'est déjà vu offrir un vrai trône dans les années 1990. Après l'effondrement de l'URSS en 1994, de nombreux nouveaux pays, dont l'Estonie, ont vu le jour. Le Parti royaliste indépendant d'Estonie a obtenu des sièges au Parlement lors des premières élections organisées dans le pays, indique le Mirror. Le parti souhaitait faire de l'Estonie une monarchie. Dans cette optique, le chef du parti a contacté les souverains britanniques pour leur soumettre l'idée. Le Sunday Telegraph de l'époque indique que le chef du parti aurait déclaré dans une lettre que le prince Édouard serait parfait en tant que monarque. La lettre déclarait également que le parti admirait énormément le fils cadet de la reine Élisabeth II d'Angleterre. Buckingham Palace a gentiment refusé le trône proposé au prince Édouard. Selon le Sunday Telegraph, le parti royaliste indépendant d'Estonie voulait réellement faire du mari de Sophie Wessex, 57 ans, le roi des Estoniens. Le parti aurait même affirmé qu'il serait honoré si le papa de Lady Louise Windsor, 18 ans, et James, vicomte Severn, 14 ans, acceptaient la demande. Buckingham Palace a donné suite à la proposition du parti de faire d'Édouard le roi de l'Estonie. Le palais a déclaré que l'idée est charmante, mais plutôt improbable.